Yo tout le monde, c'est Servio, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la carrière suivie. On va placer plein de nouveaux bâtiments, on va faire des belles traits encore une fois. On se retrouve juste après l'intro. Donc les amis, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien. Pour cette vidéo, je suis accompagné de Zero, salut. Salut à toi, c'est tout le monde. Ça va? Bah ça va très très bien et toi? Eh bien ça va très très bien. Alors les amis, déjà bonne rentrée à vous tous, je sais c'est chiant mais bonne rentrée à vous tous les gars. Déjà alors les amis, on a beaucoup de choses à faire dans la vidéo. On va vendre deux bâtiments, donc ce bâtiment là déjà qui est énorme, ce bâtiment à cochon, on va aller le vendre je pense. On va essayer d'agrandir vraiment la ferme, à investir vraiment vraiment. Du coup Zero va aller vendre du coup la benne de... c'est du blé je crois que t'es dedans. Ouais c'est du blé. Zero va aller vendre du coup la benne de blé avec le petit Renault, donc on va se faire déjà un petit peu plus de thunes. Et moi les amis, alors on va vendre en gros ce bâtiment que je vais vous montrer, donc le bâtiment à cochon, et ensuite ce gros enclos ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va seulement dans l'endroit qui sera vite. Je commence d'ailleurs. Du coup, on va commencer par vendre le bâtiment. Et dans le bâtiment, une fois qu'il sera vendu, on pourra tout simplement, les amis, placer des bâtiments pour stocker les tout simplement les betteraves. Alors, du coup, c'est le grand enclos pour cochons. Donc, c'est parti, les amis. On le vend. Donc, ouais, 0 euros, mais on le vend. Ok, donc déjà, on va voir un petit peu la zone, comment elle est. Si elle est vide, si elle est beaucoup vide. Oh, mec, déjà, on a une zone. Ah, ouais, mais quand même. Ah, ouais, je vois là-bas, c'est tout vide. En vrai, mec, c'est tout vide, hein, vous allez voir. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sûrement placer déjà deux bâtiments. Un bâtiment ici là de stockage de betteraves, et ensuite en deuxième on verra si on mettra en deuxième. Donc ça fera... en vrai ça agrandit tellement la ferme, c'est fou ça, c'est fou, c'est fou. Alors déjà c'est parti, donc bâtiment les amis, je vous ai mis plein de petits bâtiments sur mon site, plein de petits modes sympas en plus. Alors moi c'était le celui là que je voulais placer les amis, bien sûr hein, tous les modes seront sur mon site les amis. Je sais qu'en ce moment j'ai mis beaucoup moins de modes, mais bon il faut bien que je reprenne un petit peu. Alors premier bâtiment en place. Ok donc les amis, donc c'est bon, là j'ai placé le bâtiment, j'en ai un deuxième à placer les amis, donc c'est parti, je le place, vous me direz en commentaire si ça vous va ou pas. Donc c'est un bâtiment qu'on a déjà sur All Stream, en vrai, attends, on va regarder comment ça donne. Donc là t'as une petite entrée, c'est comme ça que je voulais, et après, ouais. En vrai ouais ça va, en vrai je suis content parce que du coup ça fait un petit corps de ferme, ici on pourra stocker les betteraves, ici des trucs et tout. Et là après donc soit on y met genre les petits arbres et on ferme la route, ou alors on laisse une petite entrée là, enfin ça vous de voir en commentaire, vous me direz. Donc là pour l'instant ça me l'a pas mal du tout, vous me direz en commentaire si ça vous va ou pas, et puis voilà. Alors on va reprendre un petit peu ce qu'on est en train de faire. Donc déjà je vais prendre va vider du coup la benne zéro. Donc les betteraves en fait on n'a pas trop continué en vidéo, je vais juste aller vider celle là on va parler un petit peu de la rentrée les amis. Du coup ok, l'argent monte, c'est déjà pas mal. Du coup alors je pense que les trois quarts sont rentrés en cours aujourd'hui, mais il y en a qui rentrent aussi mardi, enfin du coup demain et après demain même, qui vont rentrer même beaucoup plus tard. Du coup à ceux qui rentrent en rentrée, en vrai je suis en train de penser à tous ceux qui vont découvrir des nouveaux, qui connaissent pas, genre qui connaissent pas l'école et tout, ceux qui sont en internat pour la première fois et tout, ils sont en mode oh putain. J'avoue que moi quand j'étais en internat la première fois c'était un petit peu chaud, mais enfin un petit peu chaud, en vrai je savais pas trop, au final c'était les meilleures années de tout l'école que j'ai pu faire, c'était vraiment super cool l'internat. Et vraiment ceux qui se disent ah non j'aime pas l'internat, vraiment c'est trop cool. Après au début vous connaissez pas grand monde, pareil quand vous dans la nouvelle classe vous connaissez personne certains, ou alors vous connaissez une ou deux personnes et c'est un peu bizarre, mais vous allez voir après ça va aller tout tranquillement. Donc voilà, alors par contre du coup en vrai non, je pense que l'entrée on va la laisser hein, parce que moi j'ai l'habitude de passer par là, hop. Alors comment ça se passe, parce que là du coup on peut pas vider la benne, donc là moi ce que j'aurais pensé faire c'est acheter des transbordeurs, je sais pas si tu vois Zero. Ouais, transbordeur, le truc pour les betteraves là. Ouais, des convoyeurs. Ouais, transbordeur, ouais, des trucs. Ouais, ouais, moi j'ai envie. Ouais. Hein. En fait, ouais, bah, attends, on va louer par contre, parce que ça vaut beaucoup, beaucoup trop cher. Du coup, il faudrait ça. Je crois qu'il faut ça, et ensuite il faut juste. Il faut deux trucs, je crois. Bah, déjà, lui, c'est sûr qu'il faut, donc on le loue. On va la louer. Donc, ça, c'est sûr. Et après, il y a quoi ça? Tapis roulant permet également de charger vos remorques. C'est des tapis roulants, mais lesquels faut prendre? Moi j'aurais dit. Un qui. Bon, pour moi, c'est celui-là. Ouais, pour moi, c'est celui-là, parce que c'est. Ouais, ok, donc on prend lui. On le loue, 1000 euros, magnifique, on a plus d'argent. Et est-ce que vous pensez que je peux aller le chercher avec le partenaire? Alors, si on peut faire ça, on y va. En avant, c'est parti. Moteur en marche. T'as mis les tracteurs sinon, hein, là-bas au cas où. Zero a amené un tracteur parce que du coup, on va s'acheter tout simplement un épandeur à lisier. Il va falloir qu'on épande un peu de lisier parce que. Oula. Puisqu'on est. On a commencé à avoir, je crois qu'on a 20 ou 30 000 de lisier en stock, donc on va pouvoir en épandre un petit peu. Ok, excusez-moi, du coup ça a coupé parce que mon disque dur était plein. Donc du coup Zero, tu peux prendre, donc on arrive aux concessions, on va prendre chacun un petit convoyeur. On va ramener ça, donc du coup le partenaire j'ai essayé de l'accrocher mais ça marche pas, on peut pas l'accrocher à l'arrière. Donc on ramène ça, donc pour la cuvalision on s'achètera plus tard hein. Donc là c'est de la location parce que c'est juste pour le moment. Mais la cuvalision on s'achètera plus tard parce qu'on on s'achètera, ça sera plutôt pas mal. Alors déjà donc alors du coup on a vendu le bâtiment pour cochon, on va essayer du coup on a placé deux nouveaux bâtiments, j'espère que c'est pas trop moche, j'espère que c'est pas trop dégueulasse. Il va falloir qu'on nourrisse les animaux, qu'on aille vendre le lait, parce qu'on a 10 000 de lait je crois à vendre, il faut qu'on finisse la moisson et qu'on commence petit à petit le tournesol parce qu'on a un champ de tournesol tout en haut de la map qui est à nous et on n'a pas encore commencé à moissonner, donc va falloir qu'on s'achète aussi une barre de coupe pour le tournesol.
Donc il faudra qu'on fasse ça. Et du coup il y a aussi autre chose que je voulais vous dire par rapport en gros c'est le bâtiment qui est juste à côté, enfin le deuxième en gros enclos à vache. On a un deuxième enclos à vache qui est en gros sur le côté. Je vais vous montrer qu'on arrivera devant. Je comptais le vendre et donc soit on agrandit le champ de maïs du coup. Attends, je vais vous montrer parce que je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je vais vous montrer tout ça. Déjà on va essayer de voir si ça fonctionne avec le convoyeur. Normalement ça fonctionne avec les betteraves hein. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Mais c'est cool ouais. Mais moi j'ai jamais, enfin le convoyeur je m'en suis servi un petit peu sur le farming mais pas beaucoup. Donc j'espère que je vais pas me tromper. J'espère que j'ai réussi à le faire fonctionner du premier coup. Mais en vrai ça peut être cool de faire ça. Et donc du coup comme du coup ça a coupé la vidéo, enfin la vidéo a coupé. Mais donc la semaine prochaine normalement lundi et mercredi il y aura des nouvelles séries qui vont arriver en live. Enfin non, alors le lundi une série avec le mode saison avec Mario Link logiquement. Et le mercredi une série en live, ce sera une série, vous allez voir, ça va plutôt être sympa logiquement. Voilà, ça sera une de deux nouvelles séries et du coup cette carrière suivie elle sortira logiquement le jeudi, soit elle sortira le jeudi soit elle s'arrêtera, enfin on essaiera de voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà. La chaîne secondaire, non? Comme tu l'avais dit. À la base ouais, je voulais faire ça sur la chaîne secondaire mais on verra, je verrai avec le temps. Par contre je sais pas comment ça marche du tout hein. Est-ce qu'il faut déplier X, Y? Ouais en fait faut que tu montes dedans je crois. Baisser la... Attends, c'est dans la main que je dois monter dedans. Attends là je baisse ça. Activer la création de palette. Alors non, pas de palette par contre. On va juste, donc là, juste à faire ça. Vas-y, ben je t'attends quand tu ramènes le truc. Je suis là, je suis là. Est-ce qu'il faut que je rentre dedans? Ok, il faut que je rentre dedans. Et là, du coup, il faut que je fasse quoi? Je crois que c'est tout en fait. En fait, faut juste mettre le deuxième en bout là. Attends, vas-y, décroche, comme ça, je vais dedans. Attends, merde. Vas-y. Et là, normalement, ça se lève. Donc, ça, c'est parfait. Et on va le mettre que ça vide au fond là. On va mettre ça que ça vide au fond. Merde, bon, il fait de la merde. Allez. Comme ça, on pourra, si on met des cochons, en plus, ça sera pas trop loin, logiquement. Donc, on sera pas mal. Celui-là, on peut pas le. C'est un petit peu loin, là, par contre. En vrai, il faudrait rapprocher. Bon, ouais, non, ça devrait le faire, là. Ouais, ça devrait le faire, ok. Je vais juste reculer ça. Est-ce qu'on peut. Attends, on peut pas le. Si je démarre. Ah, non, ça on pas. Peut bouger là, quand on est dedans ou pas là hein, il moi, ça pas. Marche pas, hein. Ouais, décroche-le, enfin, raccroche-le et rapproche-le du truc ici, là. Je vais raccrocher la benne, moi aussi, comme ça, on va essayer de voir. Et essayer de le mettre bien. Ouais, mais alors, non, ça va pas être bon ça. Si, recule. Vas-y, recule. Tu mets qu'en gros le bout du tapis, il tombe sur l'autre bout. Ah, ouais, d'accord, c'est bon, je vois. Okay. Attends, je suis au volant, je suis pas un pro. Ah, oui, je vois ça. Attends, non, mais ça va pas là. Attends, descends. Ah, là, stop, bouge pas. Là, alors, touche à rien, logiquement, ça devrait fonctionner, je pense. Ah, mais là, non, ça va pas passer, c'est pas droit. Qu'est-ce que t'as fait là, ça veut. Bah, attends. Si, attends, décroche, Zero, B, enfin, appuie okay. Sur V, tu décroches, et moi je vais tester de vider la benne dedans. On va voir si ça marche. Si ça marche pas, bon, on verra bien. Ok. Bouge. Si ça marche, ça marche. Sinon, ben, on essaiera de voir. Mais comme je suis un peu. Un petit si, ça devrait être bon normalement. Là, si je fais I, est-ce que ça se met en route? Est-ce qu'il s'annule de le mettre ouais, en route? Ouais, c'est bon. C'est bon. Normalement, et voilà. Ah, bim. Eh, ça fonctionne. Voilà, magnifique. Attends, mais ça a pas vidé encore. Oui, mais ça va vider normalement. Après, bon, je pense que c'est assez loin. Hein, donc, ça devrait marcher. Regardez ça. Eh, c'est pas joli tout ça. Normalement, ça va commencer à couler ici. Attention. Et bim, c'est. Pas bon. Ah, très bien. Bon, attends, si, c'est pas un contrôle I qu'il faut faire. Et voilà, ah, contrôle I, magnifique. Voilà, bah du coup, ça fait un tas. Parfait, on est bon. Hein. Fais des petits tas, ouais, c'est stylé. J'aime ouais, bien. Et okay. Bien voilà, bah du coup, on va faire ça avec plusieurs bennes. Je pense pas qu'on va tout garder en stock, on va aller en vendre quelques-unes aussi. Donc là, ma benne, on va juste. Attends, il y a combien de trucs là-dedans là? On peut. Ah ouais, non, il y a pas de. Bah, vas-y, pas mais c'est bon. Du coup, je ramène la benne à la machine, parce que là, du coup, la machine à betterave, elle a pas pu continuer, elle a terminé, la machine est pleine. Et Stavio, tu penses qu'on peut mettre des betteraves sur tout le bâtiment, pour avoir d'autres choses? Ah non, mais la moitié du bâtiment en betterave à la rigueur, et la deuxième partie, on peut stocker en des semences. Ouais, ah ouais, tu veux faire des semences ouais, ah oui, c'est vrai qu'on peut créer des semences fermières, vu qu'on aurait passé un bâtiment maintenant. On en a déjà, donc si on prend une benne et tu le mets dedans, quoi. Ouais, on verra. Bon, on ne sait pas comment ça se passe, tu avais dit qu'on pouvait pas vider dedans. Dans quoi? Bah, il faut avec les semences aussi, il faut que je prenne le truc. Le truc qu'on a avec les betteraves, le truc rouge, le convoyeur. Ah oui. Oui, bon, on verra, on se débrouillera, t'inquiète pas. Au pire, on essaiera de voir. Vous me direz en commentaire si. Bah, s'il y a rien du tout, en fait, j'ai rien dit, mais. Là, vous me direz surtout si votre rentrée s'est bien passée. En vrai, j'ai envie de savoir, voir si vous connaissez. Enfin, voir un petit peu comment ça s'est passé de votre côté, tout, si c'est bien passé, si vous connaissez des gens ou pas, ou si vous en foutez, ou si vous avez plus court, parce que bah, moi, j'ai plus court. Hein. Moi, je suis à fond dans YouTube, j'ai de mon père aussi. Je bosse avec mon père quand même tous les matins. Après bon là genre cet après-midi il faut juste que j'aille déchemer un petit peu mais c'est pas des trucs de. C'est pas grand non plus. Donc voilà. Allez vide-moi tout ça les amis, c'est bon. Donc à mon avis bah, tu remets l'ouvrier ou enfin si tu veux continuer, tu continues, sinon ouais, je tu vais faire autre chose. Non ce qu'on va faire, on va s'acheter les pandeurs à Lizzie les amis. On verra si on commencera dans cet épisode ou non, mais on va se l'acheter. Alors par contre qu'est-ce qu'on prend Zéro parce qu'en fait on a que 10 000 de Lizzie, mais enfin, pour l'instant on a que 10 000 de Lizzie. On a 10 000 de Lizzie. Non on a 30 000 mais je veux dire moi j'aimerais bien épandre dans pas mal de champs. Moi ce que j'aurais voulu faire c'est genre épandre avec la grosse cuve ici, faire des transports et tout. Mais vu qu'on pour l'instant on n'a pas grand chose, on va s'acheter la petite, elle vaut 23 000 euros. Voilà, on va se la prendre en. Je sais pas y a quoi comme couleur sympa. Couleur merde au pire, ouais, vas-y, couleur merde, ça va.
Ça fera l'affaire, allez, c'est parti, 23 000 euros. Je vais juste la réinitialiser par contre, donc ça sera fait. Hop là, réinitialise-toi. On est bon, c'est celle-là, réinitialiser. Ok, voilà. Donc on est bon, on verra si ce qu'on fera, si on est pendant cet épisode ou non. Après, ah, si, on va aller vendre les champs et pas en vrai là. On va aller vendre. Bah, en fait, là, il faut qu'on resserre un peu tous les champs. Il faut qu'on finisse de moissonner quelques petits. Ah, si, si, il faut qu'on finisse. Il y a un champ à moissonner derrière là. Bah, je vais amener le. Il y a un champ à presser aussi. Il y a un champ à presser. Il y a beaucoup de choses à faire. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, ouais, donc du coup, je pense que la série, ça sera tous les jeudis maintenant. Après, tout dépend si je l'arrête ou non. Enfin, je pense pas l'arrêter parce que bah, elle vous plaît. Et puis, c'est bien, on peut parler un peu de tout et rien. Et du coup, c'est sympa. Donc, voilà, normalement, la série avec le mode saison. En plus, c'est vraiment. Enfin, le mode saison, j'ai envie de tester, tu vois, ça peut être sympa de faire ça. Ce sera pas une carrière suivie par contre. Hein. Ça sera vraiment. On commencera avec déjà de la thune, du matos et tout. Juste, il faudra essayer de bosser avec les saisons et essayer de, bah, du coup, de bien bosser. Et... Enfin, bref, on essaiera de voir de faire un truc sympa. Et du coup, mercredi, non, j'espère que ça sortira parce qu'il faut qu'on trouve les maps encore. Donc, normalement, ça sortira lundi et mercredi. Donc, c'est une... mercredi, ça sera une série en live. Mais par contre du coup si jamais j'ai pas eu le temps de la préparer parce qu'il faut préparer la map, les serveurs et les modes et tout. Donc si jamais bah, vous, lundi vous voyez cette série, c'est que bah, j'ai pas eu le temps de préparer. Donc voilà, tout simplement, on est bon. Voilà voilà. Alors du coup je vais aller remplir mon petit truc à lisier. Je vais mettre la moissonneuse en route. Ah oui, il y a un champ à presser aussi, il faut qu'on aille presser le champ. Et puis voilà les amis, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Et pour info, je vais à InnovaGré du coup le 4. Je l'ai pas dit, mais du coup je vais à InnovaGré le 4, donc mercredi ben là. Donc là on est le 2, donc le 3, donc dans 2 jours je vais à InnovaGré. C'est à Toulouse, enfin c'est à Onde exactement. Et tout simplement le lisier, c'était là qu'il fallait le chercher je crois en plus. Ouais c'est là le lisier il me semble. Ou c'est là? Non le lisier c'est là. Attends, c'est où le lisier? C'est en haut ou en bas le lisier zéro? Le lisier c'est en master. En haut, pardon. C'est en haut, on a mis tout de semence. Ouais, je crois que c'est un trigger là. Attends, je suis mis dans je sais pas quoi là. Et ça, c'est tout de lisier. Après, sur la prochaine mise à jour, le stream il est enlevé. Ça sera un autre truc. Ah ouais? Ok, ouais. Bon bah allez, hop, remplis-toi. On a 40 000 en fait. 40 000 de lisier. En vrai, on faut juste occuper un tout petit peu plus des animaux et on en aura quoi. Bah, du coup, je vais mettre la moissonneuse en route. Elle a du blé. C'est du blé ski. Attends, si c'est du blé, c'est bon. Si c'est autre chose, non. Et c'est du, là c'est de l'avoine, donc il me faut vider avec le petit Renault. Et oui, forcément. Donc je vais vider ça. Il y a beaucoup de choses à faire, hein, amis. En tout cas, attends, dans la moisse batte, il y a de l'avoine? Non, il y a du blé dans la moisse batte, il y a un champ d'avoine. Ouais, t'es pas vidé hier? Ouais. Bah, il reste. A mon avis, la benne était pleine, parce que la benne Roland était pleine. Hein, donc à mon avis, il devrait rester un peu. Ouais, okay. On va aller vider ça. Et on sera bon, les amis. D'ailleurs, il faudra qu'on refasse de l'ensilage, parce qu'on a plus du tout d'ensilage. Et enfin, ouais, il nous en reste un tout petit peu, mais il faut vraiment qu'on nourrisse ces animaux à 100%. Parce que les animaux ils ont rien, ils ont plus rien à bouffer pratiquement. Genre les vaches, regardez, les vaches, bah elles ont plus d'ensilage, elles ont que de l'herbe, mais du coup elles produisent qu'à 70%, donc c'est pas fou. Donc on va essayer, je pense, d'en s'en acheter, enfin du coup au moins de nourrir avec de l'ensilage. Donc on a vite pour le prochain épisode le champ du coup d'ensilage de derrière là, on essaiera de le faire pousser. Comme ça on pourrait essayer d'ensiler un petit peu. Donc soit on se l'achète, soit on se la loue. À vous de venir ça en commentaire. Je sais pas du tout, bah, j'en sais rien ce qu'on fait, si on la loue ou on l'achète, je n'en sais rien. Allez go, en vrai ça fait stylé, moi je trouve que le bâtiment il est sympa. Enfin, à la rigueur on pourrait mettre peut-être quelques petits arbres. Ok, quelques petits arbres, ça peut être bien. Des petits buissons tout ça. Ouais, buissons ou arbres derrière pour pas que ce soit trop vide. Mais en vrai je trouve que c'est sympa et même dans le... En vrai c'est stylé, moi j'aime bien. Après vous me dites en commentaire et voilà, tout simplement. Allez go, commence à moissonner tout ça. En vrai cette moissonneuse ça commence à... Hein, elle a que 2 heures, je pensais qu'elle avait plus que 2 heures. Bah là j'ai dit on vient de la voir. Ouais, par contre il y a un bout du champ qui est pas mûr. Bah attends, si le bout du champ n'est pas mûr on va avancer le temps. Les croissants ça sont au minimum ou pas? Sinon tu les mets en on. Mets les en on parce que ouais, y a un bout de croissance, des cultures, non c'est bon tu peux y aller. C'est en on? Ouais non bah c'est non, mais en on, il faut que ça pousse, il y a un bout de champ qui est pas mûr. Attends c'est bon je mets en rapide, c'est bon. Du coup ça va pousser, je pense que tous les champs de la map vont aussi pousser. Je vais juste lui amener une petite benne, donc ça faut qu'on aille vider forcément les 900 kilos qui est en stock, magnifique. Donc on est bon, et là attends, je vais vous parler aussi d'un truc, le bâtiment que je voulais qu'on va vendre logiquement. Et que vous me direz si on agrandit ou si justement on fait des cochons, parce que les betteraves c'est pour les cochons hein, c'est certain. Donc les betteraves c'est pour les cochons, donc on va essayer de vous, je vais vous montrer où c'est que vous, enfin, vous me direz en commentaire où c'est que vous voudriez qu'on en fasse. Est-ce qu'il y a du blé en stock? Pas du tout, donc on va vider le reste, voilà. Alors regardez, c'est ce bâtiment là, donc ce bâtiment là, est-ce qu'on le vend maintenant? Je ne sais pas. Moi ce que j'aurais pensé faire c'est qu'on vende ce bâtiment, donc il y aura un terrain tout vide. Et ce qu'on pourrait faire c'est qu'on pourrait soit s'acheter du coup donc le bâtiment pour cochon qui est je ne sais pas où mais c'est what? Ah ok, moins 8 euros. C'est le bâtiment, c'est donc là cochon du coup de Holstrie, donc c'est le cochon, sheep, cochon, voilà c'est celui-là. Donc ce bâtiment-là qu'on l'a vendu en fait, ça sera juste décalé en fait là, on le mettrait ici. Mais à mon avis il rentre pas, donc du coup, donc soit on dégage tous les arbres ici, tous les arbres là, et on agrandit ce champ-là jusqu'à là-bas. Soit on l'agrandit un petit peu, soit on le fait genre là ou genre, ouais ici en vrai.
Je pense ici il y a moyen. Moi je sais pas pourquoi je le sens bien cet enclos ici. Ou plutôt comme ça. Comme ça, s'il y a un bâtiment de stockage et tout. Enfin je sais pas, vous me direz en commentaire. Moi j'aimerais bien placer l'enclos et puis lui on pourrait les vendre. Je pense que lui on va le vendre maintenant même. Je pense que lui on va le vendre maintenant. Attends, je vois qu'est-ce qu'il nous a fait la moissonneuse, ça s'est arrêté. Je sais pas ce que t'en penses, Diro, j'en sais rien. Faut juste que... Bah après, je pense si on sait pas trop, faut demander l'avis aux abos quoi. Ouais, vous me direz en commentaire. Non mais après je sais pas parce que. Parce que moi je pense que ça pourrait être bien. En avis, je vais le vendre maintenant. Je vais le vendre maintenant le bâtiment. Après, on gagne 0€ avec le bâtiment. Lequel bâtiment pour cochon. Non, le bâtiment pour les vaches. Le deuxième bâtiment. Ah, vaches. Mais en vrai, moi c'est le truc que je doute le plus parce qu'il a, il a sur la carte. Du coup, je sais pas, on l'a fait bugger le truc. Bah, la non. barrière est buggée à Attends, mort. Si je le vends, je vais le vendre. Et puis on l'aura plus. Par tous les cas, on a encore l'autre. Il est pas loin d'être plein. Donc, je le vends. C'est parti. On le vend. Ça sera fait. Donc là, ok, donc lui, il y a plus de bâtiments de bah, ici, il y a rien, donc les bâtiments sont plus à l'abri. Mais donc du coup, tout ça, voilà, donc ça, on peut placer des choses où on veut maintenant. Donc là, ça veut dire que si on veut placer par exemple un bâtiment pour cochon, j'espère que ça va marcher, sinon bah ça marche pas. Pas assez d'argent, j'ai pas assez d'argent, mais c'est pas grave ça. Bâtiment pour cochon, ok. Est-ce que si on veut placer donc le gros ici, ça passe? Ok, déjà c'est plus en rouge, donc on peut le placer. Ah bah mec, on peut le placer. Là, je te l'avais dit, c'était possible. Faut juste dégager les arbres. Parce que c'est juste les arbres qui bloquent. Bah, un coup de tronçonneuse, et puis voilà. Un coup de tronçonneuse ici, ce qui passe le bâtiment. Et puis ça peut le faire. Soit, alors, dans les commentaires, soit on dégage ce bâtiment, soit on dégage les arbres et on y met ce bâtiment pour cochon. Soit on agrandit ce champ et le bâtiment pour cochon, on le met, je sais pas, ou là par exemple. Ou moi, le bâtiment pour cochon, comme ça, il me va bien. Moi, je sais pas pourquoi. Ça a l'air stylé comme ça. Ça gêne pas trop. Ouais, moi j'aime bien un bâtiment pour cochon, je le vois bien ici. Après, à vous me dire dans les commentaires, tout simplement. Wally Balou. Alors, on va pas s'arrêter tout de suite maintenant. On va juste faire quelques petits trucs. Tu vas juste amener la benne là. Je vais aller vendre peut-être le lait. On va vendre un petit peu de lait, les amis, avant de quitter la vidéo. Et il faudrait donner peut-être le reste d'ensilage. Il reste un tout petit peu d'ensilage dans le silo. Un tout petit peu, ouais. Donc, soit on. Attends, de la mélangeuse, il y a de la paille. Donc, Stervio, sur le convoyeur, tu fais un contrôleur pourquoi t'as reculé la benne? Non, une fois que tu l'as fait, je pense que c'est bon. Une fois que tu l'as fait, c'est... qu'est-ce que ça nous fait ça là? Oh, qui s'est fait la moissonneuse? Attends, elle fait n'importe quoi. Je vais juste mettre la benne ici, les amis. Et moi, j'aurais voulu vendre le classe. Enfin, je sais pas, je l'ai acheté il y a pas trop longtemps, mais je l'aime pas trop en fait. Donc, faut changer, je pense, des fois. Le classe, j'aimerais bien le changer. Donc, à vous de me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on. Bah, je sais pas si on prend autre chose. Mais vraiment, quand je dis mettez en commentaire, vraiment, écrivez. Moi, je lis vos commentaires. Hein, donc, n'hésitez pas à me dire tout ça, les amis. Et puis voilà, j'espère en tout cas ça vous plaira et que du coup les nouvelles séries qui vont arriver vous plairont aussi. Donc les trois fermes c'est pas encore terminé, il y a encore quelques épisodes, hein, ça c'est sûr. Je sais pas quand du tout, je sais pas quand c'est que je vais arrêter, je fais quoi dire, je l'arrête, mais à chaque fois je l'arrête pas parce que bah en fait on n'a pas vraiment terminé. On a fait beaucoup de défis qui. Bah, les défis sont un peu tous faits, mais il y a encore des champs à acheter, il y a encore de l'argent à avoir, on n'a pas tous les plus gros matériels de la map. Donc voilà. Allez, bon là l'ouvrier, j'espère qu'il n'y a pas bugué, ça serait bien qu'il bug pas. On va laisser travailler ici. Ça devrait être bon. Vas-y, bah, je vais donner peut-être un petit coup de. Je vais aller vendre le lait. Il me faut un tracteur qui roule vite. T'as réussi à vider là? Attends, il reste un petit peu dans la boîte. Ouais, c'est bon. Mais je suis en train de. Vu que t'as supprimé le bâtiment, il reste un peu de fumier par terre. Je le remets dans la fumière principale. Ouais, carrément. Ou si tu veux le faire, fais-le. Donc ça sera bon. Bah, du coup, ce qu'on fera pour le prochain épisode, on essaiera du coup d'avoir fini les betteraves. Donc là, c'est bon, c'est terminé. Il roule à 56, lui. Je vais prendre lui, ça ira plus vite pour aller vendre le lait. Je prends le fin. Même si le classe, il va galérer avec la lait. Je vais prendre le fan. Et puis ouais, au prochain épisode, on essaiera vraiment de nourrir les animaux. Comme ça sera fait. On essaiera de dépendre du lisier. Et à voir du coup si on achète des nouveaux enclos à cochon. Enfin, soit on achète un nouvel enclos à cochon. Dans tous les cas, à mon avis, on va l'acheter. Dans tous les cas, l'enclos à cochon, on va s'acheter. Mais à quel endroit on le met? Donc soit on le met juste derrière ici. Soit on le met à la place de l'enclos à vache qu'il y avait avant. Donc à vous de me dire dans les commentaires. Par contre, on se le mettra gratuitement. Parce que du coup, on a vendu le bâtiment à vache. Enfin, du coup, à vache et à cochon. Gratuitement. Et du coup, si on en rachète, on perd de l'argent. Donc, ah mais attends, peut-être qu'il faut que je remplisse ma cuvalée, sinon ça va pas le faire. Attendez, je vais remplir ma cuvalée. Je sais pas combien elle fait par contre, elle fait pas 10 000, donc à mon avis on doit en mettre 7 000. Donc faut aussi qu'on investisse dans une plus grosse cuvalisée. Ah, pardon. Donc voilà. Allez, on est bon. J'espère qu'on va au moins se faire. Je sais pas comment ça rapporte beaucoup. Attends, N et la R, 10 000 de lait. Allez, oh. On y met. Ah, quoi, on y met 4 000. On doit y mettre 7 000. Je crois 6000, 7000, 7500. Ok, bon, on est bon. Allez, c'est parti, je vais vendre le lait. Du coup, tu fais quoi, Stavio? Oui. J'ai regardé une fois ta vidéo sur les trois fermes là. T'as vendu pour 100 000 euros de boîte d'œufs. Ouais, mec, ça c'était les trois fermes de dimanche, mec. Je jure, en vrai, je sais pas comment je vais. Mais à ce qui paraît, enfin, après, le prix était en hausse. Hein. Le prix était à 4000 euros. Après, ça faisait 3 mois qu'on l'ait pas vendu aussi. Aussi. Ouais, après, c'était en forte demande. Là, je sais pas comment ils sont les œufs. Mais à mon avis, ils sont pas 4000. À 4000, c'était énorme. Hein. Là, les œufs, les amis. C'était rare, moi j'avais jamais vu ça, moi. 4800 les œufs, mec! Ah, mais mec, faut go, mais y'a rien! Mec, on va les vendre! Mais non, mais on s'en fout, faut les vendre, mec! Même si c'est que 3 trucs de lait, on s'en fout! Et le lait, c'est où que le lait vaut le plus cher? Ah non, mais mec, les œufs, il y a au moins 15 cartons!
Bah mec, on va les vendre. Bah ce qu'on fait les amis, c'est qu'on avancera. Attends, on avance pas le temps. On laisse le temps comme il est. Et dans le prochain épisode, dès qu'on commence la vidéo, on va vendre directement les cartons. Donc faudra juste pas avancer le temps. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avancer le temps parce que déjà tout est mûr, donc il y a de quoi faire. Donc voilà les amis, je vais aller vendre déjà, voir un petit peu si on peut remonter niveau thune. Et je pense, après on a que 7000, mais si ça vaut 4000 euros le lait ou... Non, il vaut 2000 le lait, mais bon, c'est quand même sympa. Moulin grain, est-ce que c'est là par contre? Je crois que c'est ici le moulin grain, ou pas? Ou non? Non, le lait n'est pas accepté. Le moulin gris, c'est... le moulin à grain, c'est là-bas. Marqué l'endroit. Ok, donc c'est là-bas. Je vais aller vendre mon petit lait et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est bon, on arrive les amis. Donc on va voir comment ça va nous faire ce petit... cette petite vente de lait, 7000 litres de lait, il reste du coup 3000 je crois dans la ferme, donc bon, on avancera le temps aussi je pense, bah du coup après avoir vendu le lait, enfin après avoir vendu les œufs, allez go, donc là, oh ça va, en vrai non, ça rapporte quand même bien, mais bon après, il faut penser qu'on a une petite, en fait moi chaque fois je me dis dans les 3 fermes quand tu vends du lait, t'as directement 30000, 40000 euros, donc là, vu que là c'est une guerre suivie, on n'a pas beaucoup de vaches, on doit avoir, c'est une petite aussi, voilà, ouais c'est une petite tonalie, mais surtout qu'on n'a pas beaucoup de vaches non plus, donc il faudra qu'on investisse dans des vaches, il faudra qu'on s'achète des poules en vrai, ouais des poules aussi, enfin on faudra qu'on investisse un petit peu parce que cette série en vrai elle n'est pas terminée, j'ai pas envie d'arrêter parce qu'elle est bien, elle vous plaît et tout, donc à la rigueur si jamais je l'arrête ma chaîne principale, je la continuerai sur ma chaîne secondaire, mais ça je vous le dirai dans tous les cas, donc voilà, mais pour l'instant elle continuera le jeudi logiquement, sinon elle continuera lundi si jamais j'ai pas eu le temps de préparer la nouvelle série sur la chaîne simplement. Mais écoutez les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas vraiment à laisser un pouce bleu, ça fait vraiment très très plaisir. Et puis du coup, bah, profitez bien de gérer votre entrée. Mais du coup, j'espère que ça va bien se passer. Vous êtes une bonne classe et tout. Et il faut travailler les amis dans la vie. Voilà, non, c'était nul. Enfin voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Starvius Diro. À la prochaine. À lundi ou à jeudi. Allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde, les gars.